Hey, salut toi! Bienvenue sur Code d'Habitude Gaming. Rien de faire chier pour une petite prison, ça me fait plaisir. J'avance un petit peu en off. Oui, alors vous êtes bien sur Code d'Habitude Gaming avec Narfan, un nouvel épisode, Prison Architecte, lol. Bon, de toute façon, il n'y a que les vrais qui sont là. On s'emmerde pas. Donc vous voyez, j'ai avancé un petit peu. J'ai décidé de faire d'ailleurs mon chemin de passage ici. Là. Qui serait d'ailleurs bien plus intéressant s'ils étaient séparés par des vraies portes. Par des vraies vraies portes d'ailleurs. Ouais. Parce que bon là on a le bloc de cellules moyenne sécurité. Bon là on aura le haut de sécurité en bas. Ouais, ça devrait se faire tranquillement. J'ai même pu coller un petit couloir de la mort en scred au milieu de tout ça. Je vais aller, bon, je me colle un petit couloir de la mort quand même, c'est le style quand même. Et puis parce que de toute façon, il me fallait une autre pile pour pouvoir alimenter, c'est con à dire, hein, mais l'atelier, etc., qui sont bas, pas trop grands ici, donc. Mais ils ont jamais fait ce que je leur ai demandé ici. Hein. Ah, ils veulent pas le faire en fait. Genre, ils ont décidé. Il y a plein d'endroits, ils ont décidé qu'en fait, non, ça n'arrivera pas. Ah c'est dans la file, si c'est dans la file, ça doit être fait normalement. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas mais ils le font. Ah, c'est extrêmement intéressant quand c'est bloqué comme ça. Alors, je vais vous aider. Arrêtez de le fouiller ce machin. Arrête! Arrête, arrête. Et ça tu vois. C'est bon, tu bouges du coup? Ouais, du coup tu mets des ordures dedans, c'est très bien. Dans cette caisse, il y a un éternel téléphone qu'ils peuvent pas poser parce qu'il y a une fouille à faire. Ah ouais, d'accord, je vais être emmerdé par la fouille. Youpi. Faudrait que je me paye tout de suite un gardien. Ah. Pas envie. Donc qu'est-ce qu'on disait? On disait que je voulais reposer une porte de cellule ici. Mais bon, vous allez pouvoir installer tout votre bazar. Donc petite visite guidée, hein. Je vous fais ça vite fait. Donc bon, on a toutes nos cellules là-haut, hein, classique, toutes fermées avec une porte à distance, parce que l'objectif c'est de faire un réglage sur les portes à distance, hein, c'est de s'entraîner sur des outils que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, hein, clairement. C'est blindé de caméras partout, hein, comme vous pouvez voir clignoter. Tous les lieux publics, il y a des caméras. Mais il n'y en a pas chez eux. Voilà, parce que qui dit prison de luxe dit on respecte aussi l'autorité. Allez, ça c'est temporaire, je voulais remplacer ça par quelque chose de plus sympa. Je voulais mettre en fait une colonne ici. Comme j'ai fait en fait si vous voulez un peu par là. Voilà, je voulais mettre une colonne pour pouvoir accrocher deux caméras pour avoir champ de vision là. Champ de vision là, enfin là et là. Mais ça va pas se faire. On a une salle de classe assez bon. Je sais plus de quoi on a besoin après. Le psy, si, il a ses chaises dans le. Je ferais bien une première admission pour voir un peu comment ça tourne. Mais bon, pour ça, il faut que les clodos ils finissent un peu. Écoutez, pendant que les clodos ils finissent, moi ce que je vous propose c'est d'en profiter pour bâtir. Voilà, quelques petites cellules de l'amour du bureau déco, évidemment. On aime l'amour. On aime emmerder des gens, c'est génial. Tac, 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 tac. Ah, y a une belle collection de tôles, hein. Collection tôles, automne d'hiver. Je fais le gazon ici. Je sais pas, mais il est là, hein. Qui serait grand temps d'embaucher quelques. De faire entrer quelques prisonniers pour qu'on ait de la thune. Et donc pour embaucher tout le personnel d'entretien qui va bien. Voilà. Ouais, et si on leur mettait un petit parterre de gravier? C'est bien le gravier, c'est confortable le gravier, je pense. Je pense que surtout ce qu'il faut retenir avec le gravier, c'est que c'est extrêmement confortable.
c'est de l'amour. C'est de l'amour, le gravier. Le gravier, c'est bon pour ce que t'as. Tu peux partir même avec ton petit gravier entre les fesses si tu veux. Ça nous fait plaisir. Y a trop de merdier qui sonne là. Pour un mec pour vérifier. Il va vérifier, il va checker. Va checker, tonton. Concierge, normalement c'est bon, ils peuvent bosser, je crois. Hein. Sans problème. No problème. Ouais, on va s'en prendre 12 parce qu'on aime bien avoir des chiffres ronds. Oh, on va en prendre 12 aussi. Les gardiens, on va peut-être monter à 12. Les cuisiniers, je pense que 6 seront suffisants. Les snipers pour l'instant, tiens, j'ai placé aucune tour. Je suis sympa, hein. Franchement, je suis vraiment cool. Ah, des maîtres chiens. On va pas se mentir, il en faut 12. Le mec, il s'est pas emmerdé dessus. Ouais, 12, 12 c'est un bon chiffre, les gars. Alors, on le sent bien. Il est où mon chemin? Je le vois plus. Loupiote, le chemin il est là. Ok, nice, c'est bon, je l'ai. Ils sont bon ce petit café colombien là que j'ai sous le nez. D'ailleurs, c'est quelque chose. Ok, merci. On va partir de là. Okay. Vas-y, tire-moi ça là. C'est bon. Hein. Bonne journée les gars, amusez-vous bien, il y a des petits tours de piste à faire et à refaire et à défaire, voilà. Évidemment ce qui nous ferait grand plaisir c'est également pouvoir mettre une petite patrouille en intérieur. Hein. Moi je pense que la petite patrouille des familles, voilà, c'est toujours bien. Et ça nous fera 8 mètres chiens occupés en permanence, ce qui je pense est... Avoir quelqu'un, je pense que c'est. Je suis en train de pas faire du tout le bon secteur. Ah, je me déteste. Arrêtez tout. Arrêtez tout ça, c'est le mauvais secteur. Voilà, c'est pas le bon secteur. Excuse-moi, tonton. Hein, toi, tu vis ici en fait. Voilà. Allez-y, faut mettre du maître chien. Joli, non? Esthétique. Il y a un petit esthétisme, on va pas se mentir quand même. Mince. Bon, cessons de perdre du temps. Alors voilà, toutes nos recherches sont faites. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je vous ai fait tout ça en off. Voilà, j'ai construit un peu, histoire qu'on se fasse mancher dans le deuxième épisode. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Oui, c'est là, merci. Alors... C'est où l'admission? Admission, merci. Alors je vais rentrer du coup que de la basse sécurité. Le couloir de la mort, j'ai envie de le supprimer, mon couloir de la mort là où il est en fait. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que franchement on pourrait le faire sauter. Soit pour agrandir la salle de nettoyage, soit n'importe, on s'en fout en fait. Mais je pense qu'elle est mal placée, faudrait la mettre à un endroit où on peut mettre plusieurs choses. Donc go remplir. Wouh! On remplit avec 38 mecs! On a 38 cellules de basse sécurité. Comme ça. 38. Et quoi? Non mais lol, la blague, y a pas de prisonniers, y a déjà des tunnels. Non mais faut pas se foutre de la tête des gens non plus, hein. Faut arrêter. Hein. Alors attendez, l'autre il me dit y a 38 cellules, il va me faire rentrer tout le monde, mais excusez-moi, mais. Ah ouais ouais non mais ok d'accord. Alors tu vas te calmer tout de suite, ça c'est de la moyenne sécurité, tu te calmes tout de suite. Pareil, ce sont des quartiers moyenne sécurité, tu m'emmerdes pas. Voilà. Hein, pourquoi il me les bouge la pousse, c'est la moyenne sécurité. M'emmerde pas. Voilà. Paf, et là si je fais lecture, normalement t'as modifié mon nombre de clodo.
27. Pourquoi 27? On a pas 27 cellules là. Si, si on en a 38, c'est ça. Ah oui, si, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bon. Pas de problème. Donc dans 22 heures, on rentre nos premiers clodos. C'est génial. C'est génial. C'est génial, tiens d'ailleurs, on va commencer à effacer les bouts de planification qui traînent ici et là. Oui. Oui. Ah, arrête. Merci. Arrête de bugger. On va faire aussi nos... Ah oui, d'abord attendez, parce que je les rentre, c'est con, mais j'ai oublié de faire un truc qui peut paraître important. Ça peut, c'est pas sûr, mais ça peut. Alors, une salle de sécu, c'est combien? C'est combien sur combien de boulets? Enfin, pièce, la sécu, le classique sécu. Vous êtes là. 4 sur 4, c'est bien. 1, 2, 3, 4, parfait. Oh, c'est magnifique, hein, on dirait que ça a été fait pour, quoi, tellement c'est beau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paf, et on appuie une porte pour le. Pour ces messieurs. Là, on va se mettre une porte de. Du personnel, là, s'il vous plaît. On va y mettre ici. Tac. Ça, comme ça. Ah, très bien. Il va nous manquer les petits détecteurs des familles, bien sûr, évidemment, mais c'est bien sûr ça. Et dont un truc, je suis devenu aussi assez fan maintenant que j'ai compris comme un couillon que je savais pas les mettre, c'est ces trucs là aussi, les petites plaques de détection au sol. Voilà, ça s'apprécie quoi. Je crois que ça se passe comme ça. J'espère que ça se passe comme ça. Allez, au boulot, hein. Au boulot les petits poulets, au boulot hein. Dans la salle de sécurité il va falloir forcément un bureau plus une chaise. Admettons. Et probablement un classeur. Et probablement un classeur. Voilà. Après on va pouvoir mettre le système d'ouverture des portes. Une écoute téléphonique, un opérateur d'écoute téléphonique comme ça, un autre là, du coup on a un gars qui est là, non, on va pas mettre ça là, je peux mettre un moniteur ici. Ah, je pourrais mettre un moniteur ici, c'est trop bien. Comment tu peux me mettre ton système d'écoute téléphonique? Voilà, allez, paf, une chaise là. Tac tac tac. Donc on a moult écoute, on a du moniteur, on a. Ouais mais j'ai qu'un seul moniteur et par contre des moniteurs il en faut beaucoup. Genre de type bon. Donc là je pense qu'on est on est bon hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Faut dire qu'on est bon hein. Quand on est bon, il faut le dire. Je suis en train de me dire c'est quoi ce bruit que j'entends. C'est la musique que j'ai mis, c'est normal. C'est normal. Darfang, tu ne deviens pas fou, enfin pas complètement, disons que c'est pas tout à fait foutu pour toi. Ouette, ouette. J'ai pas de petits points rouges sur celui-là pour me dire c'est bon ou c'est pas bon. Vous en faites votre taf. Moi j'y crois à mort. Ok. Donc le système de contrôle des portes. On va te connecter en même temps. Très bien. C'est mis sous tension. C'est très joli. Là on a du moniteur. Alors on va commencer à connecter un moniteur. C'est trois caméras hein, je crois par moniteur. Okay. Ah il en faut des moniteurs hein. Attends. C'est chaud.
C'est chaud, hein, il en faut vraiment beaucoup. Après, voilà, bon, nous, on peut lui raccorder les plus. On peut lui raccorder toute la cantine, par exemple. On s'en fiche que les 4 tournent en permanence. C'est pas trop grave. C'est pas trop trop grave. Celle du couloir de la mort, là, je vais peut-être faire un peu de zèle avec celle-là. Hein. On va peut-être faire un peu de zèle avec celle-là. T'es pourquoi celle-là, elle sert à rien. Enfin, on va récupérer une caméra plus tard. Celle du nettoyage, pareil, c'est peut-être un petit peu du zèle, ça aussi. C'est pas tout à fait une pièce commune. Mais bien, il peut se passer des trucs dedans. On sait pas. Hein. Dans les petites gorgées de café pendant cette réflexion. Ah. Eh ben, il est bon ce Colombien. Si. Ouais, ça m'ouvre des nouvelles pistes de réflexion cosmique reminiscente. Je suis en train de me dire que finalement, si j'abattais cette cloison, j'aurais une méga pièce de sécurité. Genre la méga pièce de sécu. Genre la méga, 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 méga pièce de sécu. Donc c'est ce qu'on va faire. On va la démonter, j'ai besoin de plus de moniteurs. Donc les mecs vont passer directement dans la salle de sécu, puis c'est comme ça. Et voilà, c'est moche. C'est moche, mais c'est comme ça. Bougez-vous le boule, les gars. Oh là là, ils sont pas vifs, hein. Vous êtes pas vifs, hein, les petits gars. C'est pas... On vous sent pas, quoi, hein. On sent que ça veut du RTT plus que ça veut bosser, hein. Voilà, très joli, magnifique. Beaucoup de postes d'écoute téléphonique aussi. Je sais pas combien on peut supporter un poste d'écoute téléphonique. Donc j'avoue que je suis un peu embêté. C'est pour ça que j'en ai mis plein, mais est-ce que quelque part je fais bien d'en mettre plein, quoi. Voilà. Du coup, ce qui me fait penser que toi déjà tu étais vachement au milieu, je vais te démonter du coup. Pareil avec toi en fait. La sous-casse derrière. Dans le doute, je vous démonte. On va redesigner ça un peu. Déjà on va faire un mur d'opérateur. Parce que c'est bien d'avoir un mur d'opérateur. Pouf. Du moniteur. Et voilà, là ici on peut rien mettre. C'est très bien, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Voilà, toi je te mets dans un coin. Mais vraiment, t'es dans un coin. Ah. Tac. Tac. Bon, le classeur. C'est parfait. On va recaler des moniteurs. Ah oui, je peux pas parce que j'ai décidé de mettre un moniteur là. Ah oui, je suis con. Putain, c'est vrai qu'ils sont décalés. Ah, ils sont décalés, je fais des conneries. Démontez-moi ça. Et puis cette chaise là aussi. Ok, parfait. Magnifique. Merci mon poulet. Paf. Paf. Paf, on va dire, oh, magnifique. Voilà, cette autoroute. Ah, vous allez vous retrouver mais tellement au milieu, ouais c'est ça. Opérateur radio, mon pauvre vieux, tu vas tellement être au milieu si je te cale quelque part que je crois que je vais te mettre, que je crois que je vais vraiment te mettre nulle part en fait. Je pense que c'est raisonnable que je te mette nulle part. Par contre, un truc que je peux faire pour le pur esthétisme, c'est de démonter ces deux braves jambes. Hein. Hop. C'est pour le pur esthétisme. Hein. On a toujours pas réglé les, les problèmes de cellules. voilà. On trouvera des solutions, ne vous inquiétez pas. Ça va. Non, non, je sais pas ce que j'ai demandé. J'ai plus demandé ça quoi. Comment tu peux trouver un tunnel alors qu'il n'y a personne dans les murs de cette prison? Pause. J'arrive, je viens voir ton tunnel.
J'ai les mecs, il y a des pré-tunnels dans le. Voilà. C'est. Il y a encore personne, mais ils ont déjà prévu de s'évader, quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Fouiller les chiottes du bloc cellule. Vous faites pareil. Fouiller tout ça. Fouiller tout ça. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Les mecs ont commencé à creuser des trous alors qu'il y a personne. Il y a personne pour creuser des trous. Qui a creusé? Il y avait que des ouvriers, quoi. C'est les ouvriers qui creusent des trous pour les tôlards ou quoi? C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de la vie. Ah, fouille les toilettes, ouais. Pareil, tu fouilles les toilettes ici. Hein? Ah, tu veux pas? Ah! Ah, marche plus. Ah, marche plus. Ah, c'est parce que c'est pas des pièces, c'est pour ça qu'on peut pas les fouiller, ok. De toute façon, personne sera installé là-dedans, donc c'est pas gênant. C'est pas très très gênant. Tout est très à la cool là-dessus. Aucune caméra me dit qu'elle manque de courant. Je suis assez étonné. Courant qui touche toutes les caméras? Clairement pas. Bref. Bref, bref, j'ai branché celle-ci. Paf, connecté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être. Est-ce qu'il est possible de faire un clic droit sur toi? Ok. Efface déco. Efface tes connexions. On va faire ça bien. Donc, ici il y a déjà des connexions. Ici il y a déjà. Pause. Là je vous sens en train de ramer du cul les mecs. Calmez-vous. Ma tête, ouais. Voilà, ta troisième connexion, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas la connecter? Il veut pas la connecter. Non, je vais essayer avec un poste de travail au cas où. Non, on sait pas pourquoi il veut pas la connecter celle-là. Ils ont démonté la lumière, c'est ça? Lol, 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 c'est des connards, lol. Faut rester zen. Faut rester très zen dans le monde. Pareil, c'était paf, c'était pas là, c'était. Où est-ce que c'est déjà? Ah bah c'est ici. Ok, nice. C'est mis. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est beau. C'est beau. Tellement beau. Moi ça. Démontez-moi cette connasse. Toi. On va te connecter. Bah un poste qui peut encore supporter une caméra hein. Du coup t'en as combien? T'en as 3. Ah si, il a décidé de te connecter, ok, après pause. Lol. T'en as pas 3, t'en as 2, ok. Sur les connexions quand on est en mode pause, mais voilà. Ok, sinon ça marche. On voit sinon ça marche. Et ben, je suis bien content qu'il me reste des moniteurs parce que je vais avoir besoin de ça pour la moyenne sécurité. Je vais avoir au moins besoin de ça pour la moyenne sécurité.
pareil, tiens, tant qu'on y est. Quand même un peu vachement près de l'entrée quoi. 2, 3, 4. J'oublie d'embaucher du sniper hein. On prend 4 dans le doute. Dans le doute on en prend 4, c'est pas perdu. 4 mecs. 4 mecs c'est pas perdu. Ah oui d'ailleurs en termes de logistique là. Je vais essayer là-dedans. Est-ce que j'ai assez de... Oh large, large, large. Mais tellement large. Voilà, faites votre choix. Vous êtes combien on va en admettre combien là dans la... 27 13 et 13, rien que là il y a 26 emplois. KE2. On est bon. Je crois qu'on est bon. On est pas mal. Donc l'atelier, faut vite faire des gros ateliers pour pouvoir accepter beaucoup de monde. Mais bon, normalement c'est des bases sécurité. Vous devrez pas trop vous embêter. Alors c'est quoi l'histoire? La porte à distance ne s'ouvriront pas sans cerveau moteur relié. Alors, c'est parti. Pour logique, voyant d'état. Fichier. Non. On cherche un truc qui s'appellerait cerveau moteur. Est-ce que ce qu'ils appelleraient cerveau moteur, c'est le circuit logique? Ah ben non. Oui, vous pouvez dire, connard. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. C'est là, c'est legit. Ça va me faire câbler encore ça. Ça c'est encore peut-être. Ta mère. Ta mère il fait un mystère. Ouais. Tac. Ouais. Ouais. Très bien. Magnifique. Incroyable. Amazing. Ici je crois que c'est déjà prévu, ouais c'est ça. Juste attendre que les gars viennent l'installer. Ouf. Incroyable. C'est complètement fou ce que je fais hein. Ok. Tu vas avoir ton cerveau moteur. Il faut que je relie tout ça. Alors je sais pas si c'est un pont logique, un machin. Alors attendez, déjà il y a des connexions que j'ai oublié de faire. Arrêtez du coup. La plaque de pression. Travail. Alors je fais toujours des doubles connexions parce qu'en fait ça avait tendance à bugger, il fut un temps. Aujourd'hui je sais pas trop, dans le doute, je dirais bien, il y a la route. Minute peut être utilisé pour ouvrir automatiquement les portes à une certaine heure de la journée. Utilisez l'outil connecté pour relier cette minuterie au cerveau moteur de la truc. Le pont logique réservé aux architectes expérimentés prend le signal entrant et l'étend au câble électrique. Alors ouais, ça c'est la partie redstone qui me fait vomir dans qui
fait vomir dans strictement tout. Alors, je pourrais utiliser mon cerveau pour essayer de commencer à comprendre, mais clairement, non, c'est mort. Pont logique, réservé aux architectes. Ouais, non, mais ouais. C'est bien d'avoir précisé. Les opérations suivantes sont disponibles. And or not. Non, allez vous faire foutre. Juste allez vous faire foutre. C'est mort. Soyez bien clair. Arrêtez vos conneries. Ok. Moi je pense qu'une petite minuterie de porte. Ici. Ça ajouterait une petite touche de swag. Je pense qu'une petite minuterie. Putain, les mecs ils vivent dans une usine en fait à cause de moi quoi. Ils vivent tellement dans une usine. Je vais rajouter une petite minuterie de porte les gars à côté de vos oreilles tout le temps. Ça fait bip bip en boucle, vous allez voir, c'est génial. Vous allez kiffer le concept, hein. Vous êtes prévenus. Hein. Ah oui, la salle de sécu. Oui, je suis en train de la voir, là ça devient ridicule. Voilà. Merci, parfait. Allez au boulot. Arbeit, schnell. Ah, les chemins sont un peu plus clairs, hein. Ça fait plaisir. Bon, les gardiens, vous m'avez fouillé toutes les zones là. Ils foutent quoi mes gardiens? Qu'est-ce qui branle mes gardiens de ces morts? Qu'est-ce qui tape? Arrêtez de tabasser des trucs. Ah oui, vous êtes tous genre occupés quoi. Genre en fait, il n'y a pas assez de gardiens. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Lol la blague. Lol la blagounette. Lol lol. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et 12 gardiens sont sur des postes inutiles. Ah non, ils sont pas tout à fait inutiles. Non, excuse-moi, je dis des conneries. Ils sont pas tout à fait inutiles. Donc j'ai juste pas du tout assez de gardiens. Bon. Non, c'est là. Très bien. 1, 2, 3, 4, 2. Allez. Et voilà. Là, ils se mettent sur des écrans qui ne sont pas utilisés. C'est je trouve ça magnifique en fait, hein. Il est connecté à quoi? Il est connecté à rien du tout en fait. Il y en a plein qui sont connectés à rien du tout. Et vous vous en servez genre quand même quoi. Genre là par exemple faites de l'écoute téléphonique. De quoi par exemple si vous allez dessus? Bon, question. Question pour un champignon. Pareil, ce moniteur il est connecté à quoi? Actuellement rien du tout. Alors c'est actuellement rien du tout, hein. Ils vont être connectés, hein. Mais actuellement, rien du tout. Donc vous bouffez tous mes gardes parce qu'ils sont cons en fait, c'est ça. C'est vraiment ça le secret de la vie. Il va vous falloir combien des gardiens pour pouvoir remplir mon merdier du coup. J'ai même pas assez de gardiens pour occuper toutes les cams. Je suis à 40 gardiens et j'ai pas assez de gardiens pour toutes mes caméras. Ah, attends, ça va se mettre en place. Ok. J'en ai combien qui bossent là? Combien j'ai de mecs qui bossent là? Normalement tu me l'affiches là. Oui, lire la lettre du PDG. Oh, incroyable, du cul, il fasse là. Accepter ma première subvention. Oui, aussi si tu veux. Ah oui, il faut que j'aille cliquer moi. Je sais pas combien j'ai de gardiens qui bossent. En tout cas, j'en ai un petit lot qui glande. Ah, j'en ai un gros lot même qui glande. Ça va. Ah oui, j'en ai un très gros paquet qui glande. D'accord, parfait. Non, mais ok, il y a beaucoup de gardes du coup. Ok, 40 c'est beaucoup. Au moins, on est sûr là-dessus. On est safe sur ce move là. On sait que 40 c'est beaucoup. Tu sais quoi, je vais occuper mes maçons pendant que je vais faire des trucs. Poète, poète. Hop là. Petit prolongement de. Voilà. De la cité des cons. Y'a pas de raison. Ok, très bien.
Est-ce que je fais ce que j'avais envie de faire ici, c'est-à-dire faire une espèce de coudée moche, moche, dégueulasse? Je pense que je vais faire ça. Démonte-moi ça. La lumière dessous. Suis démonte-là, on peut savoir? Ok, démonte-le aussi. Je sais pas ce que c'est, mais démonte tout. Voilà. Donc on a raqué, on est à moins 10 000 dollars par jour. Bon, on va faire rentrer quelques prisonniers hein, quand même, parce que là je me sens pas bien. Je vous cache pas que je suis un peu stressé. Par contre, toi, ta race de tes morts, tu ne sais pas un jour. Parce que bon. Si. Ne gonfle pas. Pourquoi il y a plein de caméras qui sont down? Ça, ils sont down. Quoi? C'est quoi? Ah ouais, d'accord. La flûte. Ah, j'avais oublié ce détail. Démonte-moi ce truc-là, en fait. Oui, ce poste de travail ne peut pas être atteint parce qu'en fait, oui, ils se mettent dessous pour travailler sur la planche. Yes, je m'en rappelle. Ah, ça y est, premier prisonnier, ils sont arrivés. On vient de voir les portes se verrouiller. C'est beau. Non mais vous êtes sérieux, quoi? Je trouve des trous partout. Ah, oh, c'est n'importe quoi. Non, on va essayer quand même de la remettre. Hein. T'es mignon, mon jacouille, mais voilà. Si tu peux essayer de me la remettre, genre ici, voilà. Ça, on va savoir si c'est encore dans. C'est dans le bon sens, c'est valide. C'est valide et c'est validable. Après bon bah du coup on va en profiter pour faire un peu d'esthétisme hein, si vous voulez bien voilà. On aime les street tricks mais... C'est où là? C'est là. Paf, paf, paf. Démontez moi ça. Je sais pas c'est quoi ton problème. Actif, construire quoi? Construire davantage de moniteurs de télésurveillance. Ah ils peuvent pas la... Il y a genre trop de connexions là. C'est parce qu'il y a personne dessus. Attends, t'as que deux caméras quoi. C'est ouf ça. T'as que deux caméras. Lui il a deux caméras, il arrive à les faire fonctionner. Ah c'est que deux caméras alors, c'est pas trois. C'est bon là, ça marche? Ok ça marche, nickel. Non, il y en a qui bug, pourquoi? Ok, ton problème à toi. T'es relié à lui, il n'y a que deux caméras. Hein. Tu vas pas me dire que c'est une caméra par moniteur quoi, vous foutez de ma tête quoi en vrai. C'est genre trop lol quoi. T'as qu'une caméra qui est connectée ici, t'es sérieux là? T'en as deux. Je sais pas comment vous gérez votre merdier là. Vous êtes pas foutu de faire tourner des caméras, c'est quand même chaud quoi. C'est quand même très chaud. Je me suis pas du tout intéressé à leur planning, je me suis pas du tout intéressé. Faut juste mettre une. Hein, y a pas besoin de raccorder le cerveau moteur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faut immédiatement que je m'intéresse donc au régime. Ils ont dodo de 21h à 6h du matin. Oui, c'est très bien. Alors par contre, il y a beaucoup de cellules, il y a très peu de... Moi, je pense que la période douche, en fait, on s'en fout, clairement. La période t'es en cellule, on s'en fout aussi.
Ici, vous serez en temps libre direct. Ah oui, vous mangez que deux fois par jour. Alors moi, je suis un mec chaud du petit déjeuner. Je pense que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc on va leur caler un petit peu de casse-dalle. Temps libre. Puis temps libre au travail. 2 heures. Vous avez mangé, vous avez fini de manger à 9h du matin. Vous attendrez bien une heure pour reprendre un petit truc à bouffer. On est d'accord. Temps libre. Temps libre, travail. Le travail, quelque part, c'est la santé. Alors ici, c'est du temps libre. Hein. Voilà. Vous êtes très libre. Vous êtes, franchement, vous n'êtes pas très oppressé. Ça va. Ah, petit emploi du temps comme ça, ma gueule. T'en redemande. Hein. Alors si, je vais quand même vous faire bosser un peu plus l'après-midi. Voilà. Bon, je vous fais bosser un peu plus. Je pourrais vous faire bosser un peu moins et vous donner une heure de sommeil supplémentaire. Et vous faire dormir comme des gras cochons. Il n'y a pas de problème. C'est un peu les vacances. Hein. 5 heures de boulot par jour, c'est un peu les vacances. On va pas se mentir. Disons que c'est cool. On sent que c'est cool. On pourrait tout à fait rajouter une petite heure de travail là. Ça pourrait tout à fait se faire. Et là, vous travaillez 6 heures par jour. Ça a l'air déjà moins ridicule. Quelque part. C'est pas certifié non plus. En même temps, je pourrais directement commencer par repas. Hein. Attendez, j'essaie de faire un truc propre, un peu esthétique, hein, vous m'en voudrez pas. Hein. Voilà, 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 ça c'est joli. Déjà, à l'œil déjà. Ah, c'est agréable. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien à ton toit intérieur. Donc c'est cool. Résultat des courses, c'est cool. C'est plus. On va aussi commencer à prendre de la subvention. Parce que j'ai pris, mais je suis d'accord. Ok, c'est bon, je crois qu'on peut déjà reprendre des trucs. Construire une douche, construire une cour. Ah oui, j'ai pas construit ça, c'est vrai. Embaucher au moins 2 médecins. Oh, oh. Oh, il va m'obliger à raquer. Salaud. Bon, ouais, je les prends. Ouais, il va m'en falloir 2. Allez, petit poulet. Hein? Pourquoi se verrouiller? Allez, petit poulet. Allez vous amuser. Amusez-vous bien. C'est bon? Merci. Réhabilitation par l'éducation. En salle de classe, construire 20 pupitres. Ouh, je les ai pas. Oh oh, je les ai pas. Je les ai pas parce que justement c'était le problème avec mon école. J'espérais que c'était 10. Parce que là c'est trop petit. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10, 10 et 4, 14, 17. J'en ai pas assez, c'est pas grave. Oh, je sais, on va rajouter. Hein. Ils en veulent plus. On aura plus. 17, 18, 19 et pour le petit de la classe 20 et 21 même. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux un 22e? Est-ce que tu veux un 22e? Un 22e et un 23e, un 23e. Et on se marche dessus. Non bon c'est bon, on va peut-être arrêter là. 22 là les flics, franchement c'est cool. Bien-être du personnel. On aime le personnel. Nous on est très fan du personnel. Voilà. Dites-moi que le personnel est c'est cool. Vous êtes au moins 5 à rien glander là. Ah oui, alors là, on est tout de suite dans les vrais embrouilles. 10 prisonniers ayant réussi le programme de formation scolaire pour débutants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as qui? Peut-être placé dans une cellule d'isolement. Mais aucune de ces cellules n'est disponible. Ah, oh, bah attends, je vais trouver ça, bouge pas. Excusez-moi. C'est vrai qu'on s'est beaucoup occupé de toutes ces conneries. Mais finalement, assez peu du mur des cons. Voilà, ce qui est, on nous le rappelle, dès le début, est une faute grave. Le mur des cons, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vraie, c'est celle qu'on aime. Voilà. Donc moi, je vous propose, voilà, un petit lot de cellules. Un petit peu goût salé poivré, tu verras. C'est bleu. Tu les kiffes mes cellules d'isolement. Ah, c'est bon, elles sont toutes valides. Ah, celle-là, elle est pas valide. Ah, c'est dommage. J'avais espéré qu'elle soit valide. Et non, il faut vraiment. Il faut pas un petit mur. Pas un petit angle de mur stylé, c'est interdit. Le petit angle de mur stylé, c'est interdit, c'est pas grave. On a largement assez de. Large. Vas-y, on a combien de cellules d'isolement là déjà? 58. On a déjà plus de cellules d'isolement qu'on a de cellules tout court. Déjà. Est-ce que ça vous donne le ton, le thème déjà? C'est cool. C'est cool. 5 gardiens qui glandent rien. J'en ai qu'un qui travaille. Ah oui, bah parce qu'on est en train de faire la mission.
Faites l'admission, messieurs, je vous en prie. Et il faut que je construise une douche et une cour. J'avais l'intention, ceci dit, de construire une cour ici. Hein. C'était pas le problème. Et peut-être une douche commune pour. Ah bah non, pas de douche commune. Non, alors une douche. Faisons ça. Alors si je veux construire une douche, c'est valide. La taille est valide. Là, il faut que ça fasse du 5. C'est valide. Il faut que ce soit entouré par un enclos et des portes. Et ce sera valide. L'enclos le moins cher. Quoi? Combien? 3$ du mètre carré. 50. Ok, 3$ man. Voilà. Pomme de douche. Voilà. Et il faut une porte. S'il vous plaît. Voilà. C'est beau, non? Cette façon de procéder. Est-ce qu'elle vous plaît? Alors, eux, ils peuvent pas accéder aux cellules parce que les servomoteurs ne sont pas raccordés. Donc, ce qui nous amène à... Il faut connecter tout ça. On est sur ouvrir sur déclenchement. D'accord. Putain, va falloir que je connecte toutes les portes à cette merde là. Allez, c'est parti. Oh, j'ai cliqué. Ah, il aime pas trop les raccords. Sur les raccords, il est pas trop d'accord en fait le jeu. Hein. Fais une petite lecture vite fait pour voir les connexions s'afficher. Très bien. Où on est. Okay. Et on est bon. Normalement, si je fais lecture là, grosse concentration de câblage. Très bien. Est-ce qu'on peut bosser avec avec le régime juste à côté? Moi j'ai besoin que ça s'ouvre à partir de 6h du matin et que ça se ferme à 11h. Ok. Alors déjà on est sur du basse sécurité s'il vous plaît monsieur. Voilà c'est ça. Ah bah c'est bien, il nous dit c'est ouvert. Repas c'est ouvert. Cellule c'est fermé mais on s'en fout, on met pas de cours, y'a pas non plus. On est dans le doute ouvrir sinon on va avoir des problèmes. Temps libre travail c'est ouvert. Et là aussi ce sera ouvert. On est à la cool. Basse sécurité, on est très à la cool. Est-ce que voilà. Ah oui, mais parce qu'en fait, il faut que je rentre l'emploi du temps dedans. Alors attendez, je m'en suis servi qu'une seule fois de ce truc. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bien ça. Donc on démarre. On a dit, on ouvre à 6h du mat, enfin 7h. Et on ferme à. Ferme ici à partir de 11. Voilà. Tout ça là c'est ouvert. Du coup,
Est-ce que ça réagit automatiquement? Est-ce que ça va ouvrir? Pourquoi il ouvre pas? Il est con ou il mange des pommes? C'est de ma tête! Faut ouvrir, monsieur, hein! T'es connecté à quoi? Oh, bon vieux! Je suis désolé pour toi, mon pauvre vieux, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Visiblement, le pont logis, la minuterie de porte n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Parce que deux servomoteurs et le contrôle de minuterie de porte, deux servomoteurs reliés. Ah, c'est une minuterie pour deux servomoteurs? Non. Oh. Alors, si je fais effacer l'écho et que je te fais connecter là et là. T'as deux connexions. Ok, ouais, ça marche. Ah, c'est... ah oui, ça va être douloureux là. Ça va être très douloureux. Parce que ça veut dire qu'il va falloir en planter, mais partout. Ce qui veut dire en français dans le texte, donc vous deux vous êtes libres, hop, cassez-vous, c'est bien. On va effacer les connexions et on va te démonter. Et on va les placer ailleurs et autrement. Donc. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux de la minuterie de porte, c'est parti. Hein, voilà, le dos, merci. Là, il m'en faut une pour deux portes. Une autre pour deux portes. Bon, je pourrais les centrer un peu plus, ça serait plus esthétique. Attendez, je suis de la merde. Du contrôle. Deux portes. Ouais, c'est ça. Deux portes. Puis ces deux portes là. Puis tu vas contrôler ces deux portes là. Ah, il y a soit de face, soit de dos en fait. T'as pas trop le choix en fait. D'accord. Parce que je crois qu'ils vont m'en acheter en surplus, non? Je sais pas, j'en ai un certain. C'est pas grave. Donc ils sont arrivés, ils sont livrés, c'est tout ce qui compte. C'est parti. Hein, il faut rouler mes poulets. Ah, faut vous dépêcher par contre, hein, parce que les prisonniers vont vite péter un boulard. Allez, ma douche elle est construite, non? J'ai la plus belle douche du monde. Allez, allez, elle arrive. Eh, la plus belle douche du monde, ma gueule. Valide. Valide. Merci. Oh, le relou quoi! Démontez-moi ça! Terme de pièces là, effacez ces conneries là, démontez-moi tout ça là, virez-moi cette porte, cassez tout, un peu de rage, fait le plus grand bien à votre plumage. De moi 5 gardiens sans tâche assignée, et c'est toujours pas le cas, ils sont toujours débordés comme c'est pas permis. J'ai pas fait de salle de classe! Ah oui, bêtard, j'ai pas fait de salle de classe pour mes gardiens! Ah, je me déteste. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Bon bah voilà, maintenant je sais quoi. Peut-être transformer une partie de cette salle à l'occasion. Parce que si cette salle là suffit à alimenter tout ce bazar. Ah ouais, moi je vais en avoir besoin d'une pour gérer ça. Et il y en aura une autre là pour gérer en bas. Ok, on va faire ça comme ça.
Bon, dans les subventions faciles et pas chères, l'alimentation carcérale, c'est pas le moment. Voilà, parfait, voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. J'ai besoin du régime, s'il vous plaît, merci. Ok, très bien. Vous pouvez aller en vitesse 3. Normalement, des gardiens sans tâche, on doit en trouver. Hein. Visiteur, rapport d'incident, 200 d'isolement. 5 emplois, 6 employés sont épuisés, 0 se repose. Ah oui, non, d'accord, ok, c'est, vous êtes nombreux, mais pas assez. Hein. Clairement. Ok. Faut que j'attende qu'il pose tous les bons logiques. Hein. Voilà, je vais tout mettre en temps. Alors, déjà, faut tout raccorder au courant. Au réseau général, c'est parti. Bien. Vire ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ah, bah alors, question, est-ce que je voulais raccorder au réseau général? Ou est-ce que je préfère les raccorder sur le réseau interne? Réponse, réseau interne. Économie, économie de d'électricité sur celui qui alimente tout. Bien. Ce générateur-là alimente tout ça. Hein. Il va alimenter tout le bloc de cellules. J'espère qu'il tiendra d'ailleurs. Ça va être sport pour lui. Et donc après on a trois générateurs qui seront donc isolés pour alimenter en interne. Vraiment le réflexe conditionné du mec qui a débarré des prisons pendant trop longtemps, des prisons pas chères, prison avec t'as pas d'argent. Bonjour, bienvenue à la pas chère prison. Alors que clairement aujourd'hui on s'en fout, la pas chère prison, vous êtes de tes morts. Ah non, c'est là. Il y a un câble ici qui va apparaître. Eh oui. Bah ici c'est cool, c'est tout droit. Hein. C'est pareil. Ah, les petits champs mexicanos, si. Câblez tout ça, les enfants. Faut y aller. Ah, et donc, ils ont vraiment racheté des milliers de portes. Puis ils se sont dit, celui-là, on va le laisser là. C'est une bonne idée. Allez, désolé, les petits potes, faut attendre. Hein. Faut attendre comme mon café qui se réchauffe, quoi. Attendez, je me rallonge. Ah ouais. Petite ambiance posée, hein, toujours. Hein. Toujours sur Prison Architect. Avec un peu de musique ponctuelle comme ça, c'est pas désagréable, je pense. 8 sont planés, 2 se reposent. Reposez-vous, les mecs, hein, devenez feignants, ça m'arrangerait bien. Sinon, je vais être obligé de me payer une armée de gardiens. Mais le problème, c'est que de toute façon, ils pourront pas se reposer tant qu'on sera bloqué. Ouvriers, faites votre travail, s'il vous plaît. Ce qui me fait penser au fait qu'il faut que j'achète ce terrain. Combien il coûte 80 000. Pff. Lol. Je l'achète. Acheté. Ah. Chez moi, ça va pas. Ah, par contre, c'est un tout petit bout de terrain. Ah, c'est moche. Et très moche que vous faites, monsieur. Je pense que je vais mettre du coup ce qui me manque, c'est-à-dire l'école des gardiens. Une buanderie, une salle de nettoyage réservée au personnel pour pouvoir entretenir cet endroit là. C'est pas très pratique, mais c'est surtout qu'on aura un gros dépôt livraison puisqu'on aura la foresterie, bien sûr, évidemment la foresterie, vous doutez bien, le retour de la sacro-sainte foresterie qui vous avait tous manqué. Je le sens que vous étiez déjà en train de douter, en train de vous dire mais où est donc la foresterie, mais que fait-il? Que se passe-t-il? Aurait-il changé? Est-ce la magie de Noël? Non, c'est pas la magie de Noël. Ça n'a pas changé.
Paf, c'est pas encore accordé au réseau. Je devrais faire ça en lecture en fait, en avance rapide pendant que. Comment c'était pas faux? Ah, parce qu'il a pas conçu le reste. Bravo, con. Connecte-le. J'ai besoin que tu te cales sur genre basse sécurité, toute sécurité, sur le basse sécurité. Le truc qui me fait marrer, c'est que c'est bien de te mettre en basse sécurité, mais est-ce que tu comprends au moins ce que je te demande? Parce que si je fais lecture, tu te mets à jour. Rien du tout. Donc, non, mais arrête tes conneries. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est que tu t'ouvres donc à partir de 7h. Pour tout, t'es ouvert pour tout sauf la période de sommeil. Bah oui, c'est tout. Et t'es en travail, enfermement, de rythme, tu dois être fermé. Donc, si vous pouviez bien faire votre travail, les mecs, ce serait magnifique. Un servomoteur relié. J'en ai relié deux là. Tu vas pas me faire genre. Ah non, mais c'est chiant parce qu'il faut que je fasse la même chose pour chacun. Oh, la chion lisse du truc quoi. Tarras de tes morts là. Ouais, 2-7. Je peux pas faire genre une strasse comme ça donc je. Ok. Jusqu'à 11h. Alors, ce serait bien de bouger le boule. Lui, tu as un servomoteur de relier, ouais. Connard! Je reste cool, hein. Je vous jure, je reste très cool. Je fais les petits réglages et tout, incroyable hein. Pourquoi travaille-t-on en ligne deux fois? Bref, on s'en fout. À partir de 7h jusqu'à très tard. Est-ce que mes ouvriers veulent bien se grouiller le fion? Ils alimentent un cap par un cap quoi, tranquillement. Non mais bon, j'ai piscine, vous comprenez. Non mais c'est une blague. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il manque 2-3 éléments ici hein. Il manque ça. Il manque une bouquette là, là. Et il manque tout court hein. Je dirais c'est ridicule, mais il manque un mur ici. Posez des caps, posez-les ces caps, bordel de. Pourquoi ici ça reste toujours ouvert? Genre c'est le fun. Je sais pas. Le mec du moniteur qui est pas là. Qui laisse les portes ouvertes. Tranquille. Au calme. Y'a pas de soucis. Oh, pas de problème, hein. Non, mais on est zen, hein. On est très zen hein. Les mecs sont pas énervés. Ah bah tu restes avec ton pote le flic jusqu'à demain maintenant. Ah bah oui, je t'annonce hein. Lui il est fait. Lui il est pas fait. Lui il faut que je lui explique. C'est chiant parce que c'est clairement c'est pas fini comme truc hein.
C'est mal branlé, hein. Désolé de le dire comme ça, mais c'est mal branlé. C'est très mal branlé. Paf, jusqu'à 11h. Tu te connectes. Ah. Je te porte. Toi, t'es co, hein. C'est bien. Magnifique. Relié à deux servomoteurs reliés, parfait. Et toi, pourquoi tu comptes qu'un seul servomoteur relié? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis, mon gars. L'autre à côté, il me fait ok, c'est bon, je suis relié aux deux. Deux servomoteurs reliés, d'accord. C'est très rigolo ça. Le problème c'est qu'il faut que j'ajoute impérativement en fait un moniteur avec un opérateur pour pouvoir permettre à Mega de passer. Parce que le problème de cette minuterie c'est que seule, en fait, elle ne sert à rien. Ah mais grouillez-vous, mais tellement quoi. Ah mais les ouvriers vraiment, mais grouillez-vous quoi. Et les mecs, ils déplacent des petits câbles, ils finissent rien. Les sacs à merde, ils ne finissent rien. Ah, ils me rendent fou quoi. Déjà, tu te connectes. Hein. Comme ça, j'aurais pu avancer. Voilà, t'as deux servomoteurs reliés, c'est bon. Voilà, superbe. Donc, la base sécurité, on a dit pas pendant les repas, les douches, les machins, les conneries. Et t'es ouvert de 7h du matin jusqu'à 11h du soir. Ils peuvent pas t'en finir hein, quoi. Il faut qu'ils finissent tout en même temps quoi, de manière synchronisée. Ils sont en mode synchronisation des montres, les mecs. Connecte-moi ça à ce truc-là et à ce truc-là. Bravo. On remet le code, vraiment parce que je suis sympa, même si je sens que je fais ça pour rien. J'adore faire les choses pour rien. Ça me fait vraiment plaisir. J'aurais vraiment dû faire une prison tout en bloc d'isolement avec juste une cour centrale où les mecs se sautent à la gorge et s'entretuent tellement ils en peuvent plus, ils meurent de faim, etc. Et hop! Cellule d'isolement, cadeau. Voilà, et une prison full isolement. On se la fera un jour, hein. Vraiment. Vraiment, je sais que vous aimez ça aussi, donc je pense qu'on se fera ça. Non mais pas la ta lumière de ses morts, je m'en bats les couilles. Ok. De 7h. 7h du soir. Déjà, mais je me dis qu'on peut toujours avancer dans la VOD si vous voulez. C'est vraiment possible. L'impression surtout qu'une fois que c'est mort, genre toi. Voilà. Donc lui là, il peut absolument plus du tout passer. Et lui, pareil, il est enfermé ad vitam aeternam, aujourd'hui et pour toujours, et des siècles, amen. Ce qui commence à devenir très problématique, donc on va faire pause. Et on va tout faire, on va tous les connecter à un poste, à un portier man. Connectez-moi ça. Je vous le dis, c'est vraiment du bon café. Hein? Ah oui, c'est vrai que si tu fais pas lecture, les connexions ne s'affichent pas. J'avais zappé. C'est vraiment con que ça marche pas en fait. Et
et j'aimerais même bien que vous me disiez si c'est que chez moi que ça déconne ou alors s'il manque un élément de compréhension logique. Genre faut le relier à un tierce pont à la con, un tierce pont de logique de ces morts. Ah, je peux peut-être relier les minuteries entre elles. Du coup celle-là fait fonctionner celle-là, non? Ça te raccorde pas. Et faire ses connexions. Et l'autre là, ça y est parti pour poireauter devant toute sa vie. C'est formidable. C'est génial. Le problème c'est que je suis vraiment obligé de faire ça sinon on peut rien faire d'autre en fait. C'est passionnant. J'aurais dû jamais faire ce genre de conneries là. Là qu'on s'intéresse aussi à l'aspect redstone. Je vais avoir un pont, je vais avoir toi juste pour une cellule. Intéressant. Enfin, j'ai un truc juste pour une cellule. Très bien. Il y en a un qui est ultra VIP, puis voilà. Et puis de 7h à voilà, très tard dans la nuit. Bien. À partir de là, on va s'éclater. Je vous préviens, on est super chaud. Tu te connectes à ce truc. Et à ce truc. À ce truc, j'ai dit. À celui-là également. Tu vas devenir le moniteur le plus important de l'histoire de ce pays. Sache-le. Que ça s'affiche, j'avais plus où j'en étais. Ah, de la grosse musique métal pour s'énerver un peu, y'a pas mieux. Un million de cellules à gérer. Hein. Allez, bon courage, mec. Ça y a un peu aussi dans l'autre sens parce que là. Ok. C'est bon, tout est connecté. Ouais, certains qui s'affichent en bleu, d'autres en rouge, je sais pas pourquoi. Ça marche pas. Ah, ça m'énerve. Si je fais pas la... Il faut que je fasse vraiment la double connexion là, c'est vraiment obligatoire.
quoi cette merdouille? C'est quoi encore ton embrouille? En soit t'es connecté, hein, on peut t'activer quand tu veux. Théoriquement tout est censé marcher là. On se pas à me saouler avec des conneries hein, parce que là ça m'énervait. Allez, exceptionnellement on va faire un peu de gestion, voilà. Un peu de gestion de soi-même. Hein. Très bien. Cool. On a déjà dû bien bourrer notre mur des cons avec cette histoire, hein. Je le sens bien. Vous savez, on va continuer à le compléter. Ça me détend. Vous savez, voilà, sur ce petit blues là, comme ça, on est bien. On se détend, on s'énerve pas. On reste calme. Ça apaise, petit mur des cons. Ça détend là. Petit mur des cons. Petit mur de l'amour. Ok, top. C'est cool. Est-ce que j'aménage tout de suite de l'autre côté? Ouais, on peut se faire. Ça va me faire des frais, mais c'est pas le moment. Donc là on est sur le soir, normalement mes gardiens sont partis au repos, ça va mieux, tout ça quoi. On va reprendre de la subvention, hein. On aime ça, la long terme, et voilà, très bien. Voilà. Et la réhabilitation par l'éducation, bon courage ma gueule. Moi j'y crois à mort, hein, j'annonce. Hein. Ah oui, d'ailleurs, pour faire ce genre de conneries, il faut encore sortir du pognon. Programme. Qu'est-ce qu'on fait nous? On va faire du... Ah, très intéressé, c'est beau. Comment ça toutes les salles sont réservées? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui d'accord, il me fait directement les deux blocs. Ok, c'est bon, ça j'ai... Ok, très bien. Apprentissage de la menuiserie. Ouais, mais il y en a zéro qui sont intéressés pour l'instant. Mais bon. Pas de problème. Formation scolaire pour débutants. Oui. Là, vous pouvez y aller à Paris. Je suppose qu'après, voilà, ça, toutes les salles sont réservées. Très bien. Apprentissage 1, hygiène, formation scolaire générale. Il n'y a pas. Toxicomanie. Alors, la toxicomanie, c'est dans l'infirmerie. Hein. Ouais, vas-y, je peux payer une toxico. Anti-alcoolique, ouais, je peux en payer un aussi. Formation au taser. Alors ça c'est à n'importe quelle heure ou quoi? Ça se passe comment? Ah oui, c'est parce que j'ai plus de temps libre aussi. D'accord. 40 à former au taser, la guidance spirituelle cosmique phénoménale. Non, à 10 en attente quand même. Hein. Oh, faites chier. Prenez un temps, bande de cons. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les salles sont réservées. Menées par médecin dans l'infirmerie. Ah. Ah oui, parce que... oui, d'accord. Oui, non. Ok. Non, mais je pense savoir quel est le problème. Je pense que le problème, comme d'habitude, en fait, il vient un peu de moi. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment... Voilà, faut faire ça comme ça, faut y penser. D'abord, c'est réservé au personnel, faut pas déconner. C'est un emplacement de livraison, quand même. C'est pas non plus... Et on a des gardes qui sont là et qui foutent rien. Eh bien, foutez bien rien, bande de cons. Bande de cons. Très bien. J'ai des caméras qui sont pas raccordées. Ah, j'ai des caméras qui ne sont pas raccordées. D'accord, très bien. C'est bon. Vous allez, votre problème sera réglé incessamment sous très peu. Voilà. Faites pas chier quoi, si vous préférez. Très bien, très bien. On passe sur un menu plus standard, normalisé et normalisant. Porte ouverte. Voilà. Ok. Faut que je fasse une salle pour mes gardiens. Donc on va plancher là-dessus.
Alors je vais faire les choses simples, hein. Cache pas que ça risque d'être très très simple, hein. Ouais, voilà. J'ai décidé de ne pas m'emmerder. Je pense que vous l'aurez compris. Ah, je l'ai carrément collé à la route. Tellement j'avais décidé de pas m'emmerder, d'accord. Bah, très bien, hein, collons ça à la route, hein. Pas de soucis. Faisons genre un truc comme ça. Et puis, alors je vais juste faire une pause pour définir les espaces qui vont être concernés. Alors, il va nous falloir quelques petits éléments tout de même. Donc, on va mettre ça juste à côté de l'entrée. Ça sera bien. Petit pavé de 15 sur 15, c'est beaucoup. Un 12 sur 12, je pense que ce sera suffisant. Ouais. Ça sera très suffisant. Je l'ai mal construit au mauvais endroit, très bien. Hop, on recommence. Un 12 sur 12, s'il vous plaît. Ok, très bien. Et alors, il me faut voilà, deux portes toutes claquos, qui d'ailleurs nous permettra normalement de remettre tout de suite, voilà, ça. Hop, là, un petit peu de déco ici. On peut doubler, on peut rajouter du coup une loupiote là. Vous avez vu, le dessin était bien fait, la loupiote était déjà placée, c'était magnifique. C'est un 12 sur 12, certes. Paf, voilà, simple porte standard, fabriquée dans des matériaux standards. Creuser 12 mètres dans du granit. Voilà, c'est très bien. Donc ça, ce sera la salle de classe que j'avais besoin de faire. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et franchement, dans toute ma construction dégueulasse, je pense qu'on va partir sur du petit mur de briquettes. On est pas mal sur du. Ouais, c'est pas exactement les codes que je voulais, mais bon, ça marche aussi très bien. Et normalement, on a un juste milieu, hein, c'est ça. Du coup, on est en impair là. C'est ça, on est en impair. Ce qui est très bien. Ah, on se fait un faux mur en carton mousse, en mousse de carton, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on peut rentrer par tous les côtés. C'est une passoire, c'est étudié pour. Sois bien clair. Ah, c'est très moche que j'ai fait. C'est pas équilibré du coup. Lol. Bon bah c'est pas grave. Voilà, on va faire pour le style, on va gaspiller, hein, parce que c'est du gaspillage, hein, ce que je fais. Hein. Clairement, on gaspille de l'espace. Clairement c'est moche pour faire. C'est pas bien. Hein. Voilà, pouf, on prend deux loupiotes à la con. Voilà, c'est magnifique, des loupiotes. Et loupiot, c'est la vie. D'ailleurs, on va demander de commencer à construire tout ça parce que, en vrai, on peut y arriver, hein, c'est pas le problème. Hein. Tac, 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 très joli, hein, incroyable. Tout est bien carré, c'est très joli. Voilà, c'est très très beau, c'est incroyable. Zéro prisonnier qui rentre, donc pourquoi tu pètes un plomb? Il n'y a pas de problème. Zéro prisonnier, zéro problème. Zéro prisonnier, zéro problème, tout simplement. Tout simplement. J'aurais pu mettre un peu plus d'éclairage, genre de l'éclairage, voilà. Comme ça. Ah, c'est beau. Hein.
Voilà, c'est incroyable. C'est beau, c'est carré, ça donne envie. Hein. Non, ça vous donne pas envie. On peut comprendre. je crois qu'on était parti, ouais, c'est ça, sur un petit design béton. Ma mémoire ne me fait pas défaut. On était parti sur un petit design béton, pas piqué des hannetons. Excusez-moi, pas piqué des tétons, bien sûr. D'une manière. Cool. Voilà. On va continuer à gaspiller de l'espace encore et encore. C'est important. Le gaspillage, c'est important. N'oubliez pas de gaspiller. Gaspiller, c'est bien consommer. Si vous voulez vraiment, vous pouvez la ressortir, je vous autorise. Hein. Voilà, vous pouvez dire gaspiller, c'est bien consommer. C'est capitaliste, hein, clairement. Ah, on a rien visiblement qui s'est fait agresser, c'est pas très cool. C'est pas très cool, surtout que moi j'ai été très cool hein, juste ici. Hein. Ok, et on y est. Paf. On s'est offert un petit tour de piste. Ah bah ça c'est pas. Si c'est pas beau. On va couper ça aussi comme ça. Voilà. On va couper ça là comme ça aussi en deux. Ah bien, ça serait joli. J'aurais bien refait une route qui traverse, voilà, comme ça, qui traverse vraiment ce bleu au milieu quoi. Elle est pas tout à fait centrée j'ai l'impression ma ligne. Oh les bleus, on s'en fout. Voilà, très joli. Et comme ça on fait plein de foresterie. On fait vraiment des trucs sexy and I know it. Parce que bon là vu qu'on s'est offert quand même un très très vaste terrain, on va pas se mentir. On s'est offert qualitativement un très très vaste terrain. Très vaste terrain, mais néanmoins très joli terrain. Ne déprécions pas la chose. Et petite foresterie, donc voilà, au milieu de tout ça. Le parc, c'est bon. Le parc, ça donne envie d'y travailler, quoi. Moi, je serais motivé, quoi. Non, je déconne, hein, j'aime bien ne rien foutre de ma vie. Je suis même en train de me demander si j'aménage pas les contours du grillage. Et le problème, c'est que sous le grillage, c'est obligatoirement de la terre. Et c'est pas sexy quoi. Alors que si j'avais mis un petit muret de briques, voilà. On aurait pu. On aurait pu. Ah, j'ai oublié de mettre la petite salle d'entretien stricto reservito au personnel à l'eau. Tout à fait, je m'en souviens, j'ai oublié ce détail. Construction en briques. Comment qu'on se la fait? On se la fait par là? Ouais, c'est bien nécessaire. Je me pose des vraies questions, vous savez, je me demande si tout ça c'est bien nécessaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de remplir nos vies avec ça? Pour arriver jusque là, c'est du 7. Il faudrait que je fasse du 14. Le bâtiment qui va bien. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que je pense à vous. Voilà, je l'ai fait. Sachez que je l'ai fait pour vous. Tiens, c'est quoi? J'ai une porte du personnel qui traîne. Très jolie. Splendide même, certains disent. Paf. Je sais que vous allez aimer ce que je suis en train de faire. Je le sais, je vous connais. Vous savez que tout ça, ça vous plaît.
ça, ça va vous plaire. Petite ambiance très posée, hein. Attention, hein. Interdit de s'énerver. On reste cool, on reste cool. Ça, je vous dis, hein, ça donne envie d'aller travailler, quoi. Moi, je me mettrais bien à l'agriculture. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais complètement. Enfin, c'est pas de l'agriculture en soi. Comment ça s'appelle de bah, la foresterie. La foresterie. Mais faire pousser des arbres, c'est arboricole. Faire pousser des arbres fruitiers, je crois. Dans des vergers, je crois. Je sais plus. Ça porte un nom. Il y a un nom pour tout, de toute façon, vous le savez. Il y a même un nom pour les viticulteurs. Ouais, c'est le plus important. Ça, je l'ai retenu. Hein. Ça, vous avez noté, j'ai retenu. C'est bizarre, j'ai retenu ça. Pourquoi on retient un peu ce qu'on veut, hein, des fois. Allez, ça c'est fait. Allez mes poulets, faut faire entrer du pognon là. D'ailleurs tiens, j'aurais pu continuer mon gazon là. Un petit gazon là ici, tu vois. Paf. Ah joli hein. Et hop, en pièces, regarde. Une petite foresterie, paf. Toute kawaii. Agrémenté, parce qu'on agrémente toujours de petites lumières, petite la lumière. Hein. Voilà. Eh, très joli ou très joli. Voilà. Je vous laisse faire votre propre réflexion. Je pense que vous arriverez à la même conclusion que moi. C'est très joli. Je pense même faire peut-être un petit tour de lumière là, tac 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 en intégrale autour des foresteries. Et peut-être même un grand tour là autour de toute la clôture là. Pourquoi pas Ah parce que c'est trop bio après, faut cramer un peu de courant, faut faire un peu de gaspillage aussi quoi. Si on gaspille pas, après on gaspille pas quoi. Du coup c'est chiant, il faut gaspiller un peu. Vous êtes à une case d'urbeur, on est d'accord. Une, deux. Ah bah merde, faut que je fasse ça parce que... 1, 2, 3, 4, je sais pas compter, ça vous dit, c'est génial hein. 1, 2, 3, et 4. Incroyable, magnifique. La tour de Schneipol. Ouais, c'est dommage quand on clique sur une tour là où il y a un sniper là dedans, on n'a pas par exemple la portée d'action de la tour de sniper. On sait pas jusqu'où il peut tirer le mec avec son fusil, on sait pas si... S'il peut shooter un mec là-bas, on sait pas. Il y a plein de choses qui manquent. Bah là j'y pensais il y a pas très longtemps. Bah là j'y pensais même ce midi. Je trouvais ça dommage qu'on ait pas genre la vraie tour en béton renforcé d'enceinte là, à mettre dans le coin. Parce que là si vous voulez mettre une tour de sniper dans le coin, vous pouvez le faire hein, en sachant que vous risquez de bloquer un sniper. Mais dans tous les cas vous êtes pas compté comme un mur d'enceinte. Du coup les gens peuvent passer. C'est dommage qu'on ait pas un mur d'enceinte comme ça, enfin des tours d'enceinte, pareil, des tours d'enceinte avec des spotlights éventuellement pour augmenter par exemple la portée des snipers, voire de plus loin dans la nuit, etc. Ou par exemple avec des caméras aussi. C'est tout con, hein, mais c'est des choses qui sont dommages qu'on n'a pas.
qui manque un peu moi dans le jeu. Donc si jamais quelqu'un a envie de faire un effort et envoyer un mail au dev, voilà. Voilà le genre d'idée, je pense, qui peut être constructive et enrichissante pour ce jeu. Je pense. Et il nous reste plus qu'un million de dollars, hein. On en a quand même claqué de 1 500 000 par-dessus bord. Hein. Ça, j'ai envie de dire, ça tourne mal. LOL. LOL, ça tourne mal, LOL. Non mais on aime l'humour. On aime l'humour ici. Voilà, comme d'habitude, gaming, télévision. Ouais, le mec, il a tout bousillé. Ouais, le mec, il était fâché. Ouais, le mec, il était fasciste. Ouais, j'en reviens pas. Un se repose, ils sont fatigués. Ouais, bon, ils sont très fatigués pour pas grand-chose, hein, les mecs, hein, de toute façon, j'ai l'impression. En vrai, y a pas grand-chose à faire ici. Hein. Putain, vous foutez tellement rien, là. C'est incroyable. Vous avez pas des locaux, vous, à entretenir, là? Vous êtes sérieux? Vous allez les nettoyer, les restos? Ça se passe comment? Oh, les branleurs! Oh, vous êtes sérieux? Attends voir. Attends voir, je t'explique par A plus B. Alors déjà, je crois que je vais être obligé de refaire des fondations par-dessus, parce que je crois que c'est pas des fondations ici. Excusez-moi. Et c'est mage clic gauche pour donner la priorité après. Hein. Non, c'est contrôle clic. Ok, voilà. Très bien. Je préfère. Voilà, pourriez-vous... Pourriez-vous de me faire ça? Et en termes de pièces, je voudrais supprimer la livraison. Voilà, c'est plus une pièce de livraison. Cassez-vous. Cassez-vous d'ici, voilà. Ah, les bosser. Ah, c'est bizarre, d'un seul coup, ça se met à travailler. C'est fou, ça. Ouais, mec, il y a des trucs à nettoyer. Non, mais ils campent, ils ont décidé de camper là, quoi. Ils me font halluciner. Ah, ah. Ah, ça nettoie, ça fait plaisir un peu, hein. Ah, c'est moins crade, hein. Ouais. Ok, très bien. Donc, pas de soucis, on m'a abattu un mur, c'est normal. Voilà, pas de soucis. Et du coup, bah, ça devient ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire une salle d'entretien, évidemment. Stricto reservetto, hein, et placebo au personnel. Hein. Ah, il faut que j'attende qu'on construise le mur, sinon ça, sinon on va y avoir des bugs. Bon, on peut faire un... jeter gravat, voilà. Ah, tout ça c'est prioritaire, allez-y. Allez-y les poulets, on croit en vous. Dans le pouvoir du poulet de l'amitié. C'est où la salle de nettoyage? Ah, elle est magnifique ou pas? Avouez que c'est la salle de nettoyage de votre vie. Si vous aviez pu en avoir une, elle ressemblerait à ça. Avouez tout. Et en termes de logistique, c'est toujours réservé au personnel. C'est magnifique. Très bien. Donc nous, on arrive ici. Ah oui, il n'y a pas de courant. Les romans. Les romans, man, les romans. Je vais vous faire ça. Où c'est ici? Mais quelle taille le bousin? Ah bah c'est pas trop gros. Ah ouais, c'est chiant comme façon de voir en fait. C'est un peu relou. Quelle charge toi? Ah t'es déjà un peu haut, en sachant que j'ai encore beaucoup de caméras à lui raccorder en fait. Parce que je vais avoir toutes les caméras de l'enceinte. Ce qui fait pas mal encore de caméras, plus tout le réseau en bas. Donc non ouais, il me faut une salle. Il me faut une salle dédiée. En gros j'ai besoin que tu fasses cette taille là. Du
9 sur 9. Très bien. J'ai besoin d'un 9 sur 9. Ah. Sinon tu ferais du 11. Que du 11, vas-y. Vas-y, on va pas se prendre la tête. Très joli. Du coup ici, paf. Je sais pas si c'est bien utile de mettre un condensateur là-dedans, mais bon, on va en mettre un pour le site. Ah oui, non, mais non, tu peux monter direct, c'est pas des vraies salles, c'est des fausses salles. Lol. Ça, c'est parti. Installation. Il nous reste une petite salle à faire ici. Pour le coup. Alors ici, à la base, j'avais prévu de mettre. Je vais en mettre deux. C'était prévu comme ça. Deuxième salle de nettoyage. Voilà. Ah oui, ce qu'il fallait aussi dans mes pièces, c'était livraison. L'export. Quelle présentation il y a. Et l'export. Alors oui, pareil, toujours en pièces. Hein. On va essayer de les faire maintenant tant que j'y pense. Ça, c'est une salle de classe. Et ça, c'est une salle de pause du personnel. Slash cuisine du personnel. Donc. Et son G, donc ce sera ça plus évidemment une cuisine également. Alors attendez, il faut que je fasse ça maintenant par contre, sinon on va avoir des sushis techniques et j'aime pas les sushis techniques. C'est surtout la cuisine qu'il faut que j'aménage en premier. Ouais. Très joli, magnifique. Pas dû placer ça maintenant, j'aurais peut-être dû attendre de voir comment ça pouvait se placer, sinon éventuellement autrement. Très jolie cuisine, hein. Cuisine qui déboîte, hein. Qui déboîte sa race, ça fait plaisir. Tu livres les plats, ouais, dans la zone du personnel, c'est très bien. On sépare pas la cuisine du personnel par un mur, ça pourrait se faire. Hein, ceci dit, j'avoue, en vrai, avec la place qu'on a, on pourrait faire quelque chose de pas trop dégueu non plus, quoi. En termes de pièces, s'il te plaît, tac, comme ça. Hop. D'abord que je fasse lecture. On va d'abord faire une petite lecture. Tac. Déjà on va faire lecture tout court. Allez-y, faites-moi ça. Paf. Le carrelage blanc qui va bien. Tac. Du personnel. Moult portas. C'est toujours bien. Toujours bien d'avoir moult porte. Tu sais jamais quand est-ce que tu auras besoin de moult porte. Tu sais jusqu'à un moment donné ou un autre, t'en auras besoin. Nous autorise aussi à psyter. Ouais, je suis un génie. C'est comme
comme ça. C'est moche, mais c'est comme ça. Salle de repos, petit parquet à vue. Ouf, on est bien. Petit parquet de wesh, on se met bien. Wesh, wesh, bien ta vue. C'est bleu. Il nous faut là-dedans un bureau. Face. Il va falloir une chaise. Il va falloir une quantité démentielle de place. Voilà. Très joli. J'aime bien comment ça fait spacieux au départ et après ça fait serré sur la fin de jeu. Ah ouais, on a pris la place. Mais non, mais en fait on avait pas tant de place que ça. Ah. Donc bien que je pourrais enlever un pour détasser un peu quoi. Oh, on s'en fout, en vrai il y a assez de place. On va déconner. Ok, bon on est pas mal hein. On est pas mal. On attend toujours les fonds 24 heures pour les petits fonds classiques. Un prisonnier arrive en basse sécurité dans 18 heures. Ouais bah oui, il faut arrêter de crever aussi les mecs hein. Faut arrêter de faire les cons, faut arrêter de mourir. À un moment donné, voilà. Si c'est la vie que vous avez choisie, hein, on peut pas vous en vouloir non plus. De quoi qu'on cause, on... ouais c'est ça, hein, c'est bien ce que je me disais. Hop, on cause de une petite barrière comme ça. Très joli. Vraiment très très joli. Oui, alors on va le faire par pure question de principe, mais voilà. Pas, je pense pas que c'était vraiment utile de préciser que c'était stricto reservito au personnelito. Très bien, donc toutes ces machines ne sont pas branchées. Pourquoi? Parce qu'il manque un petit branchement là. Et on pourra en mettre un voilà, là. Très joli. Deux petits câbles de l'amour qui viennent à manquer. Ah, je suis un blaireau. Faut de l'eau. Il faut de l'eau. Mais ça c'est pas grave, ça c'est en vrai, j'avoue, c'est un faux problème. L'eau on s'en fout, un seul truc alimente tout dans ce monde. C'est formidable. Oh, on fait des économies de bout de chandelle, ouais tout à fait, c'est ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Complètement. Y a pas de problème. Je vois qu'il y a un trou dans mon pavé là, dans mes pavés. J'aime pas ça, c'est moche, c'est vilain, enlevez-moi ça, tout de suite. Très joli. Pouf, paf. Ah, très joli. On peut faire des trucs comme ça, on peut rajouter des lampions ici et là. C'est pas mal aussi, hein. L'éclairage est génial. L'éclairage est génial, hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment cool l'éclairage. Hein. C'est vraiment, ça permet d'apporter de la luminosité. Voilà. Ouais, ça n'a pas l'air évident comme ça, mais ouais, ça ajoute de la luminosité. Complètement. Complètement quoi. Alors avant c'était sombre, mais c'était avant. Hop. On rajoute une dalle là. Une petite poupiote par là, une autre par ici, une autre par là, on est très bien. On est pas mal, on commence à avoir de jolies foresteries, les arbres vont pas tarder à sortir.
On va donc agrandir encore un petit peu tout ça. Et après je pense que je pourrais mettre fin à cette vidéo 3 fois trop longue. On va finir en gros cette petite musique là tranquillement entre vous et moi, et puis ça sera la fin. N'inquiétez pas, on se retrouvera pour un épisode très chiant. Je vous sens inquiet. Ouais. Très bien. C'est bien de la foresterie ça. Je sais pas, on voit mal, mais je pense que oui. Oui, ça. On voyait pas très bien, mais ouais, c'était bel et bien ça. Donc là ouais, c'est déjà prévu. Là je vois que c'est un petit croquant. Ouais, on va mettre la souche d'arbre qui se dégage pas très bien. Ok, cool. Foresterie ici également. Petite foresterie, ouais. La petite cathédrale. Voilà. C'est pas mal hein. Bon, on va falloir commencer à ajouter de l'ouvrier, je pense, au bout d'un moment. Parce que là. Vu le territoire. Vu la zone qu'il y a à couvrir. J'attends un peu parce qu'en fait il faut avoir vous lancez vos foresteries avec un petit peu de roulement, sinon vous avez tous les arbres qui tombent d'un coup, et on l'a déjà vu hein, sur une autre de mes parties, ça peut vite devenir sport, ça peut vite devenir un sport extrême de, en fait d'un seul coup vous avez plus d'ouvriers vous avez plus d'ouvriers disponibles, genre pendant 24 ou 48 heures il n'y a plus personne quoi d'un coup. Ah bon, comme ça. Et là, bon, faut pas oublier que, bon, même si pour l'instant elles sont pas trop grosses, bon, on va quand même couvrir. Hein. Voilà, c'est ça. Ces deux-là vont bien piquer des yeux. Hein. Croyez-moi bien. Les autres du haut, encore ça va, mais celles du bas, faut vraiment que je les décale bien. Ça me paraît bien. On peut installer cette foresterie. Très joli. Très joli, monsieur. Je suis ému. Je suis ému aux larmes. Voilà. Hop, la loupiote qui va bien. Huit. Hop, hop, hop. Voilà. Et ben il y aura plus qu'à installer une autre foresterie là. Et on est bien, on est pas mal, on est pas mal. Alors on perd de l'argent hein, parce que bah, de toute façon on n'a pas beaucoup de cellules pour l'instant. Très clairement. On n'a pas beaucoup de. J'ai récupéré je crois un pognon là. Le régime. Non c'est pas le régime, c'est subvention. Non j'ai bien 3 qui tournent. Ok, pas de soucis. Donc voilà, avec le reste de notre pauvre petit million là qui nous reste, faudra commencer à penser à investir le reste de cet argent dans une moyenne sécurité. Parce que finalement 2 millions de dollars, enfin 2 500 000 dollars c'était bien, mais en fait c'est trop petit pour une grande prison. Et parce que j'ai vraiment fait des très grandes cellules de luxe hein. Là d'ailleurs, on n'a même pas regardé combien était noté qualité des pièces. Voilà,
Et après, pour chaque élément que vous rajoutez, occupant, habilité à la catégorie 9. Catégorie 10, c'est la moyenne. Ah, je suis en 9 et les autres sont en 10. Alors, il faut toujours m'expliquer pourquoi il y a des petites subtilités de changement. Genre, celle-là, elle est en 10 parce que bon, je suppose qu'en fait, pour l'instant, il n'y a personne dedans. Voilà. En sachant que, pareil, là, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, le jeu ne prend pas en compte le fait qu'on sépare les toilettes et la douche. C'est-à-dire que, concrètement, si je voulais gagner de l'argent, là, en fait, je démolirais les 3 blocs de mur et j'enlèverais la porte. Et on gagne, alors il n'y a pas 3 blocs de mur, il y a 4 blocs de mur. Et on gagne 4 cases et on passe à 20 cases par tête. Ce qui serait pas mal. Ou ça me permettrait de rajouter bah, un truc genre table de billard. C'est con, hein. Tu rajoutes un truc et c'est bon quoi. Ce qui fait que c'est assez cocasse. Bon bref. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfanxur comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.